Wesh les gars, c'est Izuki, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, aujourd'hui nouvel épisode, épisode 27 de Pokémon Diamant Étincelant, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Je vous rappelle, au dernier épisode on a capturé Crefaddy, et il nous reste tout simplement Crépolé et Crelfa capturé. Simplement Crépolé, on va se laisser ça pour un peu plus tard, on va pas se presser. On va juste passer au truc de la Pokémontre, hein, pour genre upgrade un peu notre Pokémontre. Ça pourrait être très intéressant pour la suite. Et on va tout simplement se partir à la recherche de Crefaddy, de Crelf, du coup. Et on va essayer de faire éclore notre œuf de Riolu, tout simplement. Ah. On a vraiment la station, n'est pas encore ouverte au public. Mince, j'ai pas fait gaffe. Tac. Surpower, alors je suis le maître de la ligue, ce n'est pas normal. Alors, il me semble que c'est ça Pokémontre. Non. C'est là? Je sais pas du tout. Pokémontre, ok. On rentre ici. Pokémontre Mémo. Pas ça. C'est pas le même mot qu'on cherche. Non. Cet endroit ne sert à rien. Peut-être lui. Le père du président, si tu veux. Non plus. Visiblement, on l'a déjà peut-être, hein, j'en sais rien. Attends, mais la Pokémon, c'est ça, je suis débile. Je sais. Tant on l'a déjà. Non, on l'a pas. Bah, visiblement, on l'a pas. Mystère. Mystère. Bon, on va laisser ça pour plus tard. Hein. C'est pas très grave, au pire des cas. On trouvera. Ah. Non, bon, on trouvera un autre moyen. On trouvera autre chose. Hein. Parce qu'il faudrait pas qu'on reparle à lui. Ah, voilà. C'est bon. Bon, ok, c'est bon, on a notre truc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'avais pas fait gaffe, juste. Clac. Clac, 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 tac. Ça, c'est Uxie, du coup. Ça, je veux dire, c'est Crefolet. Crefolet est là. Ok. Ok, bon. Très bien. Très bien. C'est noté, mais non merci. Ah, mais attends. Il est juste là, ça veut dire? Il est juste là, attends, il est juste là. Attends. Crévolet est juste là. Attends. On va éviter de troll. Crefaille doit être par là. Crévolet. Aïe 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 aïe. Alors le problème c'est qu'il peut fuir, il me semble. Et je n'ai pas de regard noir.
Trifolé peut fuir. Trifolé peut totalement fuir, ça veut dire en fait il va falloir Pokéballer directement. Oh. Aïe 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 aïe. On croise Trifolé hasard là. Bon, pas grave. C'est dommage. Faudra qu'on trouve quelqu'un qui a un regard noir, mais c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas grave. En tout cas, on peut partir avec Tyranitar, mais ça nous aura fait plaisir quand même de rencontrer une fois le Pokémon qu'on cherchait. On peut ranger un Pokémon d'ailleurs. Voilà. Normalement, Johnny nous attend par ici, mais on va essayer de le Vesky. On va aller à la rive du lac Savoir. Vous allez me dire, mais pourquoi aller à la rive du lac Savoir? Parce que il nous reste Créelf à capturer, tout simplement. Let's go. Haha, vous avez très bien compris. Bref. Ouais. N'importe quoi, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mon psy, il doit pas être bien réveillé ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas très important. En tout cas, tant que ça s'ennuie pas trop à vous, tant mieux. Let's fucking go. Caverne Savoir. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Let's go. Crève pas pareil. Ok, on l'intimide. Est-ce qu'on tente de l'attaquer lui aussi? Je sais pas trop. Il est niveau 50 quand même, ça va. Je sais pas s'il a autant de défense que l'autre. Ça va, ça va. Il a plus de défense d'ailleurs que l'autre. Ne crit pas, ne crit pas, ne crit pas. Merci. Ok. Let's go. Ah. Lui au moins il oppose déjà plus de résistance. Possessif. Ah. Mince. Étincelle. Non. 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 Je suis con. Attendez, je reviens. Parce qu'en fait, alors, j'ai peur que ça sauvegarde auto en fait. J'ai peur qu'en gros, le combat il se termine, ça sauvegarde auto. Non, je suis con. Pourquoi j'ai attaqué? J'espère que ça sauvegarde pas là. Ok, donc là il a disparu. Je vais faire un truc, je vais désactiver les sauvegardes auto. Clac. Je sors. Je re-rentre. Il est plus là. Reset. Ouais, malheureusement, il nous est arrivé une petite connerie. Mais voilà. Clac, 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 clac. On vérifie juste un petit truc. C'est bon. Let's go. Non, on n'a pas eu de luck, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis ce clic probablement. Pas de luck. Salut, Krelf. Pas shiny. Heureusement, il était pas shiny. J'aurais fait une petite connerie là. C'est n'importe quoi. C'est ça d'utiliser les raccourcis rapides, tu vois.
Elle étincelle. Extra senseur. Ça va, on tient. Pas qu'on misclic là. On n'a pas le droit d'ailleurs. Ok. Paralysé. Ok. Et là on va éviter d'utiliser les raccourcis, on va aller direct, on va faire sac, clac. Hyper boule utilise. Voilà. Un. Aïe. Psycho. Si t'avais résiste. Bien joué. Défense spell best. Allez. 1. 2. 3. Ah ! Dommage. Mm-hmm. Allez. En hyperball, let's go. Aïe, on commence à prendre un peu cher là. Allez. Il est difficile à capturer. Oh, il lui reste un HP. Le gars, aucun légendaire m'a mis mal comme ça. Après, tu me diras, on en a compté que deux, mais. Et voilà. Ah. Il est paralysé. C'est ça. Et j'ai deux dans l'équipe, c'est le problème. C'est-à-dire que j'aurais pas trop de marge de manœuvre que où on fail. Psycho. Bon. Là on meurt, là c'est sûr, il n'y a pas de... Ah bon? What? C'est n'importe quoi ça. Allez. Enfin, j'ai envie de te dire. C'est complexe. C'est complexe. Utilise amnésie. Bon, déjà Luxray meurt pas, c'est déjà bien. Mais là on veut le capturer. 1. 2. 3. Yes. Voilà. Et hop, vous avez capturé Créelf. Yes. Yes. Bien joué ça. Luxray monte au niveau 64, Raptor monte au niveau 61. Là il va enfin prendre le coup de jus du coup. Bon, enfin, j'ai envie de te dire d'apprendre coup de jus là, il était temps. Bref. Coup de jus. Parfait. Niveau 61. T'as que les données du créer fait l'étage de Pokédex? Non. Oui, dans les boîtes PC. Ok, ça nous fait qu'on a deux fées. Et on a quasiment bah, full Pokédex. On va. Qu'on se le dise, hein, on est quasiment full. Je vais vous faire une petite ellipse et je vais aller marcher un peu jusqu'à ce que mes œufs éclosent. A tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est celui-là. Manaphy! Un Manaphy vient de sortir de l'œuf. Oh, c'est parfait. Les données du Manaphy ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon voyage et meurt. Ce Pokémon parcourt des grandes distances pour retourner dans les profondeurs froides de l'océan où il est né. Non. Pas de surnom Manaphy. Mais voilà, on a récupéré le Manaphy. Maintenant, il ne manquera plus que le Riolu. A tout à l'heure. Enfin, ça fait 20 minutes que je suis là, je tourne. Ça devenait chiant. Oh, bref. Enfin, on a notre qui est en train d'éclore avec notre fameux
Un Riolu à l'intérieur. Yes, un Riolu vient de sortir de l'œuf. Let's go, let's go. Un Riolu, on t'a ajouté au Pokédex. Non, pas toujours. Non. Ok, voilà, au moins ça, tout ça c'est fait. Et là, on a fini bah, tout ce qu'on devait faire, c'est-à-dire notre Pokédex est normalement rempli. 151, on a vu tous les Pokémon que l'on pouvait voir hors national en tout cas. On les a tous, on a même Manaphy à la fin, Dialga, Palkia, tout, on a tout, on a tout, on a tout, on n'a aucun souci à se faire. C'est pour ça que maintenant, alors, avant de se rendre à l'endroit là où Jun il veut nous voir, on va d'abord passer à Littorella. Pour commencer. On va aller à Littorella. C'est. Parce qu'on a pas mal de choses à faire là-bas. C'est-à-dire. Attends. Je vois que quand elle est devant, c'est qu'elle veut se battre, je crois. Oh là 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 là. Oh là, je crois qu'elle veut se battre. Attendez. Je crois que c'est aujourd'hui les jours où elle veut se battre. Je suis pas sûr. Pas sûr du tout d'ailleurs. Et là, Manaphy au PC. Faire car chaque fuck. Si elle veut se battre, moi je me bats tout de suite. Hein. Tout de suite, on se bat. Tout de suite. Salut Aurore. Bonjour Rizuki, est-ce que je peux voir ton Pokédex? C'est incroyable, tu as vu toutes les espèces de Pokémon de Sinnoh. Tu as montré ton Pokédex au professeur Sorbier? Non. Pas encore. Ok. Bonjour, je suis le père d'Aurore. Je suis ravi de t'aider dans ta quête pour le professeur. Je suis sûr que tu vas faire un bon travail. Le professeur Sorbier a mis au point un nouveau Pokédex à l'aide du professeur de Kanto. Allez, let's go. Ah, Izuki, tu vas me montrer l'avancement de ton Pokédex? Oui. Alors comme ça, tu as vu 151 Pokémon? Bravo, Izuki. Tu as enregistré tous les Pokémon de Sinnoh dans ton Pokédex. Cela va considérablement m'aider dans mes recherches sur l'évolution des Pokémon. Ah. Bonjour, professeur Sorbier, ça faisait longtemps. Laissez-moi vous dire que le voyage de Kanto à Sinnoh est plutôt long. Mais lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouveaux Pokémon, rien ne m'arrête, pas même la distance. Oh, c'est mon ancien collègue, ce cher professeur Shen. J'aurais dû m'attendre à votre venue. Vous êtes l'autorité en matière de Pokémon, après tout. On disait toujours, quand il y a des Pokémon dans le coin, Shen n'est jamais loin. C'est bon de voir que rien n'a changé. Professeur Shen, laissez-moi vous présenter ce jeune homme. Il a rempli toutes les pages du Pokédex de Sinnoh pour moi. Ah, ravi de te rencontrer. Comme tu viens de l'entendre, mon nom est Shen. Le professeur Sorbier m'a beaucoup parlé de toi. Il n'a pas arrêté de me chanter les louanges d'un jeune dresseur d'exception. Je vois que tu le mérites grandement. Et ça tombe bien que tu sois ici. J'étais de passage dans la région. Alors j'en ai profité pour rendre visite au professeur Sorbier. Et lui apporter les données du Pokédex national. Puisque tu es là, je vais ajouter le mode national à ton Pokédex. Tu verras, il te reste encore plein de Pokémon à découvrir à travers le monde. Le mode national a été ajouté à votre Pokédex. Parfait! Compléter le Pokédex national est loin d'être facile. Mais je compte sur toi pour faire de ton mieux. N'ayez crainte, Izuki va y arriver. Au fait, professeur Shen, comment se fait-il que vous soyez de passage dans notre région? Eh bien, j'ai entendu dire que le parc Rosa Rugosa avait ouvert. Si je me souviens bien, il se trouve au bout de la route 221. Le parc Rosa Rugosa possède un système spécial qui attire les Pokémon de diverses régions. Je suis venu m'assurer que ce système fonctionne correctement. Tu devrais aller visiter le parc Rosa Rugosa toi aussi, Izuki. Oula, je vais être en retard à ma réunion si je ne pars pas tout de suite. C'était un vrai plaisir de vous voir tous les deux. À une prochaine fois. Le parc Rosa Rugosa pour capturer les légendaires. Il est toujours aussi occupé à ce que je vois. Bien, Izuki, je souhaite t'offrir un petit quelque chose pour te remercier d'avoir complété le Pokédex de Sinnoh. Vous obtenez le Pokéradar. Yes. Vous rangez le Pokéradar dans la poche de vous. Ceci est un Pokéradar, il te servira à repérer les Pokémon cachés dans les hautes herbes. Je l'avais créé pour vous aider à compléter le Pokédex de Sinnoh, mais ça, tu l'as déjà fait. J'espère donc qu'il t'aidera à compléter le Pokédex national. Le monde est vaste, il y a encore plein de Pokémon inconnus. Ça signifie que de nombreuses sensations fortes t'attendent. Let's go! Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Tiens, ça faisait longtemps! Dès que j'ai entendu dire que tu avais vaincu le Pensée 4 et que tu étais entré au Panthéon, j'ai voulu aller à ta rencontre pour te féliciter. Bravo, les autres champions et moi, on est tous très heureux pour toi. Mais il faut que tu comprennes qu'on ne peut quand même pas rester les bras croisés. On a eu beaucoup de mal à accepter notre défaite à toi en tant que champion. On a notre fierté après tout. C'est pour ça qu'on s'est juré de te battre la prochaine fois qu'on t'affrontera. Or, si ça t'intéresse, sache qu'on t'attend de pied ferme dans nos arènes respectives. Viens me voir à l'arène de Cherbourg si tu veux relever le défi. Ah bon? Pour tourner à l'arène pour se combattre? Parfait, c'est vraiment pas mal. Dis-ou, qu'est-ce que tu as déjà discuté avec ma petite?
ma petite sœur. Explorer chaque coin de la région de Sinnoh, c'est ça maintenant le défi. On doit plus aller chercher June? Où est June? Faut-il naviguer jusqu'au secteur combat, oui. Bon bah je sais pas pourquoi on devait aller chercher June. Pourquoi est-ce qu'on est monté dans ce bateau? Je sais pas trop en vrai. Ah bah voilà, il est là June. Eh ben, Izuki, t'en as mis du temps. Pour la peine, tu me dois 100 000 Poké-Dollars. Bon, écoute, je vais devenir le plus grand dresseur de tous les temps. C'est pour ça que je suis là, pour qu'on s'entraîne, moi et mes Pokémon. Hé, 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 désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que tu viens de dire. Le plus grand dresseur de tous les temps, ça va pas être facile, vu que c'est moi. Et pour le prouver, je vais aller au volcan, là, tout de suite. Vous vous demandez pourquoi? Pff, vous connaissez rien à rien, hein. Bon, d'accord, je vous explique. Ici, c'est le secteur combat. Au fond, il y a un volcan. Il paraît qu'au fin fond du volcan, il y a un trésor. Et alors, je m'en fiche de tes histoires, moi. Oh, j'ai compris, si je trouve ce trésor en premier, ce fera de moi le plus grand dresseur de tous les temps, c'est ça? Dans ce cas, c'est décidé. Écoutez-moi bien, Izuki et... toi là, le mec qu'on connaît pas. Je vais trouver ce trésor avant vous. Mais avant ça, direction la tour combat. Adios les nullos. Il est toujours comme ça? Ouais. Bref, moi c'est Cornil, et je peux te dire que ce type n'a aucune chance contre moi, tu le connais? Si oui, tu ferais mieux de le rattraper, lui dire que le volcan c'est pas de la rigolade. Et pendant que tu y vas à la tour combat toi aussi. Sinon, je pense que t'arriveras même pas jusqu'au volcan. Allez, à plus. Bon. Bah, ok. Bon, il y a pas mal de choses à explorer, on explorera ça la prochaine fois, je pense. Ou en live, ouais, en live après. Parc de combat, aire de survie, mont abrupt, et là-bas il y a aire de détente. Bon, ok. C'est noté. Les mégacanes, c'est méga bien. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ah bah il m'a ouvert la mégacane. Eh bah tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Bon, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, les gars, c'est ok. On va se laisser ici. Prochain épisode, le live. Ah non, on n'a pas encore regardé un peu le Pokédex national, comment il est agencé. Ah oui, ils ont rajouté quelques Pokémon qu'on a déjà vus. Mais à part ça, pas grand chose. Tu as tapé 31 Pokémon, pas de persévérance. Ah ok, d'accord. Ok, donc je dois aller me faire foutre, c'est ça. Alors le parc Rusa-Rugosa, il est ici, du coup. Il va falloir qu'on aille l'explorer. Ben, en live aussi, je pense. Bon, je sais pas, on va voir. Peut-être là, ils vont faire que du grand souterrain, je sais pas trop. Je sais pas trop encore. En tout cas, voilà, les. C'était Izuki, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire, ça ferait super plaisir. C'était Izuki. Bye tout le monde.